Ça y est, on dirait Flashdance. Mais c'est Flashdance, t'as gagné. Je suis un maniaque, maniaque. Je suis un maniaque, un maniaque. Midi, on a notre cours qui commence par 20 minutes de cardio. Donc moi, j'ai mis les baskets. Je vous conseille de ne pas courir sur un tapis qui n'a pas d'antidérapant. Moi, je vais me mettre... moi, il ne dérape pas, hein, mais voilà, le sol. J'ai vraiment des bonnes baskets pour courir, pour amortir, pour que les voisins ne tombent pas trop. Ensuite, après avoir fait ce cardio de confinement, vous allez faire du pilates, 25 minutes, un niveau plus avancé que ce matin. Et après, on fait un quart d'heure d'étirement. Et c'est parti! C'est parti la musique! Ah oui. Voilà, régime, alors franchement, prenez, j'avais que des stagiaires. Je monte un peu le son. Ouais, je veux bien. Allez, tenez bien le sens. Le ventre, le périnée. Commencez par sentir l'amorti. Vous voyez, vous arrivez sur la pointe de pied et puis vous descendez le talon. Alors c'est un pas que vous devez garder 20 minutes quand même. Hein. Voilà, mettez les bras. Alors si c'est trop difficile, vous marchez. Vous pouvez mettre des bras pour plus d'intensité. Vous pouvez courir sans les bras ou avec les bras. C'est de plus en plus dur. Ça marche? Allez encore. On respire avec la bouche. Que avec la bouche, pas avec le nez. Le nez n'a pas assez de débit. Et vous pensez à souffler. Plus que vous inspirez, il faut vider le castor body. Je vous ferai remarquer que je travaille le samedi et le dimanche. Voilà. En confinement, il n'y a plus d'horaire. Mais il y a quand même une grosse structure. Allez, faites un pas de chaque côté. Ça, c'est bien. Donc, merci de m'occuper. Ça va? Pour ceux qui veulent sauter. Attention de ne pas déraper sur les côtés. Si ça bouge, mettez-vous sur le parquet. Voyez là. C'est là qu'à la fin du confinement, je vais apprendre que ma voisine du premier était comme ça avec moi. Elle est super. Ou elle va porter plainte dès qu'elle peut sortir. Alors, dans ma résidence, il y en a quelques-uns sympas. Et j'en profite pour faire coucou à Caroline, je sais que tu me regardes. Je t'ai vu sur LinkedIn me liker. Ah, ah bon? C'est bien. Le monde est petit, c'est quand on va sur l'internet. Mon Dieu. On dirait que je suis au Kissemi. Ma première boîte. Ok, on recommence en cours. Calme-toi. Garde à vous. Les fesses en arrière. On étire derrière. De l'autre côté. Ouais. Enfant. Allez, bascule bien. Reviens, change de côté. Sans étirement. Allez, reviens. Étire le mollet. Talon seul. Et change. Talon seul. Reviens, marche droite, cours droite. T'as mis le débardeur d'un tramway nommé Désir. Alors vous savez que déjà on range les omoplates dans le string. Voilà, là je range les billets dans la poche des seins. Qui c'est qui a dit ça, c'est Rumba? Ouais. Les enfants, 4 x 8 de course. Et après le pony. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 2. 5, 6, 7 et 8, 3, 5, 6, 7, dernier, pony. Alors évidemment, vous le faites en marchant si vous voulez, ou en pom-pom girl. Ok, un pas de chaque côté, et on va l'assembler, assembler, assembler. Non, laisse, il y a de la... La pub. J'avais oublié que ce morceau avait une pub, j'en peux plus. C'est pour ça que j'adore le groupe Emma qui m'a laissé ses droits pour que je vous diffuse toute sa musique. L'air de rien. Alors j'ai un périnée de diamant là, pour soutenir tout ça.
ba 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 da. Ba da, ba 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 da. On reprend la course. Ménagez la monture, c'est vous pour aller loin, 20 minutes. Faut que je me retrouve carré sur les 4x8 heures. Conny, on y va, allez. Vous voulez que je vous la fasse avec la clip? Les assemblées? Allez. Qui entend le rythme là? C'est beaucoup de monde là. C'est samedi. Ok, on va lâcher. Alors je remercie une certaine élève qui m'a fait un virement Lydia pour toute sa famille. C'est gentil, hein. Tout ce que vous avez mis sur ma cagnotte, des enfants. Je suis en train de créer mon association. Au départ, elle était destinée à toutes les femmes qui ont un cancer. Maintenant, pour tous les gens qui ont besoin pendant le confinement, je vais verser la cagnotte sur l'association pour aider tous ces gens-là. Voilà. Alors, les petits ciseaux. Serre ici. Amortis bien. Les pieds sont de lignes différentes. Sans croiser les bras. Bloqué à la hauteur des épaules et de la hanche. C'est dur, hein. Si vous avez du mal, enlevez les bras et vous faites juste ça. Ça va, ça? Est-ce que vous vous rappelez la corde, hein? Non. Je cours. Je récupère sur la course, hein. Je pense à souffler souvent, beaucoup. L'air de rien, hein. Sandrine qui dit Marc n'a pas du tout le rythme, elle rigole. Marc? Oui, Marc. Marc, photo! Sandrine, photo, s'il te plaît. On n'a pas tous le rythme dans la peau, hein, c'est pas grave. Assemblée. En l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Les ciseaux, maintenant. Vous devez être légèrement essoufflé, pas en train de lécher le sol avec la langue. On écarte les jambes. Les genoux dans les diagonales. Et les pointes aussi. Jumping jack. Léger. Amortissez bien. Point de talon. Les bras. Les épaules basses, la force ici. Ça va le petit loup. Début, récupère. Récupère. Dernière fois 8. Les poignets. On y va. N'hésitez pas à enlever les bras et à marcher. Assemblée. C'est la musique, moi, qui me rend fou. Et vous? 4, 3, 2, ciseaux. Quoi? Tu m'as cassé l'oreille. J'ai décassé l'oreille. Jumping jack. Pour tous ceux qui m'ont connu en prof d'aéropique au début. Hein. Moi, je t'ai connu en prof de pompe. Devant. Ça, ça. Cha, cha, cha. Un, deux, un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 1, 2, 3, petit. Il y a mon sac qui va partir. Allez, j'avance. Tu me vois? J'avance. Pas trop près, hein. Gros plein de Noé. Gardez cette image de moi. Encore.
Continuez, je recule le tapis. C'est à droite. On refait du début. C'est comme ça qu'on dit début. Jog. Il y a madame Régie qui dit Jean-Marie, casse-toi. Non. Troisième fois 8. Dernière fois 8. Tony. J'ai beaucoup plus de souffle, beaucoup moins d'essoufflé qu'au début. Merci, le confinement. Qu'est-ce qui vient après? Pour le dernier pas, cha-cha-cha-cha, je vais avancer, prendre ma vitesse. Pied droit. Je tourne un petit peu. Je peux pas reculer plus. Après, je vais tomber celui-là. Mais tu débordes du cadre. Ok. Allez, relâche. Alors, on a fait 6 pas. On va tout recommencer. Avec la gauche, marche gauche, 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 court. Posture. Que calor, monseigneur. Buvez quand vous voulez, hein. Allez, on voit. Marche et buvez. Je suis petit que je bois de dos. Continuez à marcher. Oula là, la boulue j'ai fait. La boulue au boulot. À gauche. Allez. Vous entendez? Troisième fois 8. Dernier là. Pony. Restez plus sur place et ça dérape. Rap. Mais Rumba, tu es là? Comment ça t'arrives-tu à écrire les blagues? Je comprends pas. Parce qu'elle est en train de le faire. Les ciseaux. Fort. N'hésitez pas à vous reposer. Hein. Dernier 8 avant les 7, ça. Ciao, ciao. Je suis dans ma boîte de confinement pour que vous me voyez. Ok, allez, on reprend tout ça à droite. Donc les ponies vont aller là. 5 minutes encore. Il n'y a plus rien à apprendre. Juste répéter. 5, 6, 7, poney. Les assemblées. Mon cerveau est en ébullition. 6 sauts. Studio 54. Wouh. Sarah Vassel, si tu me vois, de là. Dernier 8. Pied droit, salsa.
J'ai envie de tourner. Je pouvais tourner complètement. Mais non. Allez, cours à gauche. Calme-toi. Tu ne fais pas la vidéo pour tout le monde. Chez toi, tu te calmes. C'est pas au moins du visium. Pony. Qu'est-ce qu'il y a après? Assemblée. Clap. Avec la bouche. Jump, link, jump. Ouvrez bien les pieds et les genoux. Mon entrée en scène pour la salsa. Gauche. Ouais. Allez, dernière fois, cours. Calme. Peine. Ventre. Poitrine. Épaule. Souffle. J'y arrivais en l'air. Bah, ils peuvent pas te répondre. S'ils le font vraiment, ils peuvent pas te répondre. À gauche, on se calme. On le fait avec moins d'impact, moins de bras. Troisième fois vite. Ah. Que calor, ici le moulino. Retour au calme. Vous pouvez marcher. Ah, Nice, je crois que c'est Rosine. Il fait beau, hein. Allez. Assemble. Ça y est, t'as pris la douche, chérie? Mouah, t'es belle. Allez, ciseaux. Le bras opposé à la jambe avant. Pensez à souffler. Jumping jack, sans sauter. Salsa, cha cha cha, tout petit. Encore. Ok, allez, marchez. Petit, j'ouvre les bras et je relâche. Le souffle dont vous voulez. On va changer de plage. T'as des beaux commentaires, génial, très beau. On change de plage, allez. Je vais le faire moi-même. La deuxième. Donc écharpe. Voilà. Voilà, on rouvre. J'arrive les chéris. Hein. Alors comment je fais là? C'est celle-là. Voilà. Allez, tu lances ça. Tu peux enlever la première déjà. Ouais. Les enfants, vous venez d'assister au licenciement de la stagiaire. Je suis désolée. Allez. D'habitude, c'est la stagiaire junior, là c'est la stagiaire senior. C'est la stagiaire de la stagiaire. C'est comme au cinéma, vous savez, réalisateur, premier assistant, deuxième assistant, le troisième, on sait ce qu'il fait, il apporte le café. Mais après, il fait son chemin. Qui c'est qui est l'exemple type de ça? Je crois que c'était
Celui qui tourne la caméra au point, tout ça, qui fait que de l'impro. Allez, allez, mettez les fesses en arrière. Loïc Préjou? Non, 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 français. Il y a français, sa production qui est Avenue Hoche. 13 quelque chose, quelqu'un va me le dire. Comme tout à l'heure. Allez, plie, bascule. Je vous rappelle que j'écoute avec vous Wonderful World du groupe Emma qui m'a cédé tous les droits pendant tout le confinement pour diffuser sans me demander d'argent parce que sinon dans les rediffusions, on me coupe tout. Il n'y a plus de son. Wonderful World. Voilà. Wonderful Life. Il faut, Wonderful Life, pardon. Il faut qu'on pense vraiment que la vie est magnifique. Voilà. C'est une belle version de la chanson de Black. Ok, alors vous restez comme ça, pliez les jambes, baissez les épaules, contraction abdominale, vous soufflez, vous arrondissez, inspirez dans le dos et soufflez, vous redressez. Souffle arrondi. Alors vous continuez, moi je vais boire, vous aussi si vous voulez. Vous pouvez écouter. À la vôtre. Vous allez vous asseoir en arrière. Tenez bien le ventre à partir du périnée, pas de dos rond. Vous inspirez et vous soufflez, vous revenez. Inspirez en l'air, soufflez, allez vous asseoir, à moitié assis, à moitié penché. Inspirez, vous restez et soufflez, vous venez. Voilà, si vous voulez envoyer des messages, il y a Mila à la captation qui va vous répondre et transmettre. Non mais ils sont en train de faire là, ils ne commentent pas. Pensez à grandir des fesses jusqu'à la tête, tout le soutien du centre, périnée, oblique. Pour les obliques, pensez que vous resserrez le bas des côtes comme un corset. Restez ici et vous allez pivoter un tout petit peu. Et vous revenez. Sans arrondir le dos, hein. Pivote et revenez. Sentez bien la contraction qui est là, vous voyez, là, quand vous pivotez. Toujours avec le soutien des obliques. Et encore. Ah, il y a des friends. J'en ai plein des friends là. Ok. Relâchez un petit peu le dos, vous soufflez, vous arrondissez, et vous soufflez, vous revenez. C'est vraiment la contraction abdominale, là, vous voyez. Une dernière fois. Redressez-vous, prenez la serviette. Je peux vous éponger, hein. Allez. Si jamais vous avez peu d'équilibre, mettez-vous vraiment sur le parquet. Parce que là, sur un tapis, la cheville vacille. Sauf si vous êtes danseur professionnel. Hein. Alors, vous mettez le pied joint. Voilà. Tenez votre serviette. Vous la descendez, vous la tendez. Vous avez les coudes un peu fléchis. Et vous allez essayer de soulever une jambe après l'autre. Donc, étalez bien les orteils dans la chaussure. Approche, tu me dis, tu me vois. Si vous avez besoin de plier la jambe du sol, assurez-vous que le genou reste orienté vers l'avant avec les orteils. Donc le fait de tendre la serviette travaille les muscles du dos. Ça vous redresse. Il y a des pouces qui se soulèvent. Et là, tu changes de plage pour nous mettre quelque chose de zen, chérie. Ah, d'accord.
D'accord. Oh, tu m'as dit chérie, lol. Chérie lol. Chérie lol est à la régie aujourd'hui. Essayez de mettre les deux hanches au même niveau. C'est très dur parce qu'en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est serrer la taille du côté de l'angle le plus grand, du côté de la jambe de terre. Sinon, vous allez faire ça. Vous voyez ? Pas évident, hein ? Appuyez le talon, appuyez le gros orteil, étalez les orteils. Pliez un peu les coudes, ouvrez la poitrine. Un périnage intensif. Périnage et rentrage. Exact. Ok. Allez, écartez les pieds, largeur du bassin. Refermez un peu les gros orteils, basculez bien le bassin. Vous soufflez, vous montez les bras. Sans lever les épaules. Souffle, monte. Et inspire, descend. Donc vous voyez, je ne lève pas les épaules, je m'arrête avant. Donc les bras sont toujours un peu vers l'avant. Et je ne lâche pas le dos. Je garde la tenue abdominale. Allez, essayez ça. Vous inspirez et vous soufflez, vous pivotez. Le bassin bouge maintenant. Pour ne pas avoir que de la rotation sur la colonne, on répartit entre le bas et le haut. Inspire en haut et souffle, pivote. Inspire et souffle. Ok, les petits choux. Alors, regardez. Prenez une autre prise. Les paumes vers le haut. Voilà. Vous avez les coudes qui sont légèrement en avant. Imaginez que vous tenez un plateau plein de coupes de champagne. Voilà, vous avez les coudes un peu en avant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de ramener le talon vers la fesse sans lâcher le dos. Donc, il y a une grosse tenue abdominale. La tenue abdominale, ça ramène le coccyx vers l'avant. Resserre la taille, le bassin vers les côtes. On cherche son équilibre, puisqu'on déplace le centre de gravité. Voilà. Du coup, on doit chercher l'équilibre, talon, écarter les orteils, appuyer le gros orteil. Et évidemment, quand vous pliez la jambe, le genou n'avance pas. Il reste vraiment au même endroit, sous le bassin. Et du coup, vous sentez l'étirement ici. Maîtrisez le bassin, on ne laisse pas le bas du dos cambrer. Épaules basses. Grandissez-vous sur la jambe de terre, repoussez le sol. Coccyx vers l'avant. Et essayez de ne pas laisser le genou s'écarter. C'est difficile, hein, mais activez les adducteurs. C'est beaucoup de choses, mais c'est ça le pilate. Alors, vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé quel pilate tu fais. Alors, c'est du Stott Pilate. Stott Pilate, c'est une méthode qui a été revisitée il y a une vingtaine d'années maintenant, au Canada, par Moira Merrifew, et elle s'est alliée à des kinés, à des médecins du sport, pour faire une méthode infaillible de rééducation à partir du Pilate, qui est une méthode intuitive de Monsieur Pilate. Voilà. Monsieur Pilate a créé sa méthode pour lui, mais vraiment, il n'y avait rien de scientifique au départ, voilà. Monsieur Pilate n'avait pas de courbure vertébrale, donc là, il gommait beaucoup les courbures. Pour des gens qui ont des courbures, gommer les courbures, c'est dangereux. Il faut respecter ses courbures. Allez, on va au sol, les enfants, pour respecter ses courbures avec le coussin. Alors, vous allez essayer de dérouler le dos tout doucement en arrière. Voilà. Vous arrondissez le bas du dos. Voilà. Déposez tout doucement. Quand vous avez posé le bas du dos, mettez les mains derrière la tête et vous allez souffler, vous enrouler et inspirer, revenir à peine en arrière. Vous avez vu, ça ne bouge à peine, mais en revanche, vous sentez énormément le travail abdominal. Qu'est-ce qui se passe là? En dehors de toute la tenue que j'ai dans le périnée, dans le ventre rentré, c'est le périnée, sert à ça, j'ai les côtes qui glissent vers le bassin. Pas parce que je tire sur la tête, mais vraiment parce que je contracte ici, sous les côtes. C'est pas la peine de faire des grands mouvements parce qu'en fait les abdominaux ne servent absolument pas à faire des grands mouvements. Ils servent à stabiliser le dos dans toutes les postures de la vie quotidienne.
Donc ça ne sert à rien de vous arracher la tête, vous allez vous faire mal au cou, et ce n'est pas un travail abdominal, voilà. Le gainage est beaucoup plus proche de ce que vous devez faire. Vous sentez ça? Formidable. Allez, mettez quelque chose derrière la tête, bien haut. Mettez les bras un peu en croix, les jambes à table. Et vous allez pivoter. Alors, les mains à peine écartées. Alors, vous soufflez, vous pivotez. Vous inspirez, vous bloquez. Et vous soufflez, vous revenez. Vous avez vu, l'important, ce n'est pas le mouvement, c'est la tenue. Soufflez, vous pivotez. Tirez loin sur les doigts. Tenue abdominale. Serrez les pieds. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous revenez. Inspirez en haut. Un peu de pression derrière les lèvres pour activer davantage le périnée. Inspirez, reste. Sentez bien tout ce travail-là, les obliques. Soufflez, vous revenez. Sans élan. C'est beaucoup plus dur. Dernière fois, inspire. Soufflez, va sur le côté, tire loin sur les doigts, baisse les épaules. Inspire, reste. Et souffle, revient. Magnifique. Allez, on reprend. On allonge une jambe. Et on soulève la tête. Voilà. Le même mouvement que tout à l'heure. Vous vous rappelez? On enroule un tout petit peu le haut et on revient. Par la contraction abdominale. On a rajouté quelque chose. C'est la jambe qui est au-dessus du sol. Donc on a besoin de plus de travail d'oblique. Et gardez bien le bassin au même niveau. Ce qui est dangereux, c'est d'avancer la jambe et de se déhancher. Gardez la taille serrée du côté que vous allongez. C'est un travail d'oblique. Ce qui serre la taille du bassin vers les côtes, c'est l'oblique. Mila, si tu veux faire des photos pour Instagram, comme elle fait. Shana a menacé d'appeler le contrôleur du travail des enfants, hein. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Ok les enfants, faites-moi quelques ponts. Basculez bien, vous montez sur les talons. Vous relâchez à peine et vous remontez, sans écarter les genoux. Si vous voulez mettre le coussin entre les genoux, assurez-vous que les pieds ne sont pas trop larges, hein. Et en haut, vous allez attraper vos mains, comme ça, vous voyez, comme ça. Et vous allez essayer d'ouvrir pour travailler le dos. Les coudes dans les diagonales vers le bas. Tout petit. Épaules basses. Vraiment l'impression de ramener le coccyx vers la figure. Les omoplates rangées dans la poche arrière du petit short. Serrez bien... le coussin, n'écartez pas les pieds, hein, pas trop, sinon vous allez avoir mal à l'intérieur du genou. Périnée, périnée. Et vous relâchez. Allez, soulevez la tête, étirez une jambe, là où vous pouvez. Hein. L'autre côté, étirez l'autre côté. Si vous avez besoin de mettre le coussin sous les fesses, n'hésitez pas. Je vais le faire parce que vous le ferez davantage si je le fais. Voilà. Ramenez les jambes vers vous. Et puis descendez les jambes sans lâcher le dos. N'hésitez pas à arrêter là si ça tire. Hein. Allez, encore une fois. Voilà. Est-ce que vous arrivez à enrouler un tout petit peu le bassin? Suivant les formes de dos, il y a des gens qui ne peuvent absolument pas soulever les fesses. Ce n'est pas la faute des abdos, c'est la faute... C'est à cause du dos, enfin, à cause grâce, vous êtes comme ça, ne changez rien. Voilà, sentez juste qu'il y a un travail. Et s'il y en a qui arrivent à soulever un peu les fesses, sans élan, vous aurez besoin de mettre les mains au sol. Ikea, tu arrives ou pas? Je sais que tu arrives, Ikea. Je vous montre ce que fait Ikea actuellement. Elle fait ça! J'avance un petit peu parce que moi j'adore faire comme Ikea. Doucement, hein, les enfants. Voilà, restez en appui sur les épaules. N'hésitez pas à plier les jambes si vous y arrivez. Et vous déroulez tout doucement.
Et si vous êtes à l'aise, vous descendez jambes tendues. Attention, ceux qui commencent le pilates, ne vous tuez pas. Il reste du temps encore. Allez, vous relâchez. Alors, vous ramenez les jambes. Vous allez allonger une jambe après l'autre vers le bas. En soufflant. N'hésitez pas à enlever sous les fesses si vous voulez travailler davantage. Voilà, vous relâchez, vous étirez un petit peu vers le haut. Descendez les fesses en premier. Encore, souffle, monte, inspire, reste, souffle, descend. Et vous remontez. Et là, vous allez pivoter. Pivoter. Pour ceux qui ont un dos qui est un peu plus raide, attrapez la jambe pour pivoter. Ça va vous aider. On ne soulève que l'épaule, pas le bas du dos, sinon ça fait mal au dos. Allez, relâchez. Étirez-vous encore 3 fois. 2. Dernier. Les ciseaux. Allez. Là. On ramène et on change. On ramène. Et là, vous descendez les deux jambes. Là, vous pouvez. Sans lâcher le dos. Allez, souffle, ramène. Souffle, ramène. Et vous descendez là où vous pouvez. Je suis tout nu bientôt. Hein. Vous me dites à la régie, hein, s'il faut que je change d'angle. Hein. Il ne faut pas que je montre ma modestie quand même. C'est un terme du 19e siècle. Vous saviez, vous connaissiez? Je crois que ceux qui sont chez Condé Nast le connaissent avec moi. Allez, relâchez, tirez encore. Vous soufflez, vous montez. Et vous soufflez, vous descendez. Les enfants, il y a une surprise pour vous. Regardez, restez en l'air. Voilà, si vous avez la serviette, vous l'attendez. Dépliez une jambe. Vous allez faire des cercles sans bouger le bassin. Tout petit les cercles. Tout travaille dans le périnée. On ne bouge pas le bassin, dans l'autre sens. Et vous relâchez. Et de l'autre côté, bascule, monte. Inspire et... Et un côté bien plus dur que l'autre. Change, les deux fesses au même niveau, ne vous affaissez pas, épaules basses, périnée, et vous relâchez. Superbe, allez, roulez sur le côté, asseyez-vous, enroulez-vous vers l'avant. On garde la serviette pour ouvrir bien le dos, poussez bien le ventre en arrière. N'hésitez pas à plier les jambes, vous pliez les jambes et vous déroulez vers l'arrière. Inspirez, soufflez, plongez vers l'avant, tendez les jambes ou pas. Inspirez, repliez et vous déroulez. Si vous arrivez à dérouler plus, n'hésitez pas. Entre le menton, soulève la tête. Soufflez, vous vous enroulez. Tendez les jambes. Inspirez, vous repliez. L'épaule basse. Vous déroulez. N'hésitez pas à mettre le coussin sous le bas du dos si vous avez du mal à remonter. Entre le menton, souffle. On s'étire vers l'avant. Vous pouvez tendre les jambes si vous êtes plus à l'aise. Inspirez. Et vous déroulez. Voilà. Quand vous déroulez avec le coussin, il faut absolument reculer les bras. Sans lever les épaules. Menton. Enroulez. Redressez. Si vous êtes à l'aise, gardez les jambes tendues, sinon vous les pliez. Alors, trouvez ce qui vous va dans cet exercice. Vous êtes en amplitude maximale, là, il n'y a pas d'élan.
Voilà, et comme vous avez tous vu, vous allez vous rhabiller maintenant parce qu'il y a la culotte qui est descendue jusqu'au genou. Ah, super. Alors, on va aller à plat ventre. Vous mettez le coussin sous le ventre. Je bois encore un petit peu à votre santé. J'ai l'impression que c'est dimanche, hein, je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a plus de week-end. Les enfants, j'ai jamais autant travaillé que depuis que je travaille au plus. Je comprends pas. Je me suis fait eu. Et je vous aime. Le mec, il est ravi. Allez, je mets ça au-dessus du... donc le bassin et vers le ventre. Regardez. Vous allez soulever les épaules. En ramenant. Vous descendez. Basculez bien. Écartez les jambes. Soulevez les jambes. Alors avec le coussin à ce niveau-là, on peut soulever le haut mais pas le bas. C'est pas important. Là, baissez, soulevez. Au ras du sol les bras. Tenez bien le ventre. Et allongez. Épaule basse. Là, vous soulevez le bas. Je te vois pas entièrement. Il faut faire qu'on voit les bras ou les jambes. Les enfants, je recule parce qu'il y a Régie. Il y a Régie dans la régie qui m'a dit de reculer. Allez, là vous vous soulevez. Et après vous plongez. C'est mieux, Madame Régine ? Oui. Si vous voulez monter autant le haut que le bas, descendez un peu le coussin. Voilà. Sans lâcher la tenue abdominale. Écartez bien les jambes. Vous avez vu, je touche plus le sol. Hein. Baissez bien les épaules. Tirez moins sur les pieds. J'inspire, je cambre. Je souffle, je plonge. Et je soulève les jambes. Allez, étirez-vous. Quatre pattes. Le chien est en bas. Superbe. Allez, on va sur le côté. On rembourre la hanche. L'os du bassin. Parce que vous êtes nombreux à me dire que ça fait mal. Voilà, mettez-vous comme ça. Soulevez les jambes. Alors, dans l'idéal, on touche la hanche et l'épaule. Tout le reste est soulevé. Petit ciseau. La main devant le ventre. Bassin face. Périnée. Essayez de dédoubler maintenant. Petit, 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 petit. Inspire, 2, 3, 4, 5, souffle. Allez, on tire avec le bras. Inspire, 2, 3, 4, 5, souffle. On renforce tout l'extérieur pour redresser la posture et vous relâchez, vous faites de l'autre côté. C'est notre dernier exercice, c'est des petits choux. L'os de la hanche. Ce matin, nous étions plus de 1000. Je sais que vous avez beaucoup de travail maintenant. Allez, soulevez. Vous pouvez tenir un peu la tête si vous voulez. Petit. La main devant le ventre pour ne pas lever l'épaule. C'est pour ça que dans la journée, je vous propose. On accélère. Inspire, 2, 3, 4, 5. Je vous propose des cours, dans le même cours, des portions de cours. Le matin, vous avez 15 minutes de cardio, 30 minutes de pilates débutant, 15 minutes d'étirement. À midi, on a du cardio un peu plus longtemps, couru, 20 minutes, les 25 minutes de pilates plus avancés et l'étirement de 15 minutes. Et le soir, vous avez une heure pour vous calmer. Voilà. Pilates, stretching, méditation, relaxation, you name it. Allez, relâchez. Ah. Ok, allez les enfants, on a notre dernier quart d'heure. Buvez et on va s'étirer. C'était fort généreux la boisson et j'en avais pas. Je vous laisse une minute, je vais prendre une bouteille qui est là. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il boit ? À la vôtre.
Merci de vos messages. Alors, dites-moi, vous avez regardé la vidéo, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais je te vois tous les jours, je suis pas au courant. Hein. Si tu crois que je suis ubiquité, j'ai pareil. Allez, relâchez. Alors, Mila, tu vas baisser à Régine à la régie. Voilà. Mettez-vous en tailleur, pied flex. On se met sur le coussin. Parce que je vous montre de profil, vous voyez. Si on s'avachit un petit peu, ne faites pas en hauteur, ça redresse. Allez, grandissez-vous. Pied flex. Alors vous pivotez en soufflant. Inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous pivotez. C'est vachement important en fait d'avoir des rotations le long de la colonne vertébrale pour étirer tous les muscles qui sont rigidifiés sur le long de la colonne. Quand vous tournez, ça essore. Évidemment, il ne faut pas rester passif. Donc, vous voyez, je tourne de ce côté-là, mais je garde une contraction du côté opposé. Donc, je serre la taille. Petit secret. Entre toi et moi. Est-ce que mon petit Jayden est là? Jayden. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion. Hier soir, c'était une calamité pendant le yoga. Allez, vous allez essayer de rester. Alors, je vous montre trois versions de la vie. De l'étirement des fesses, soit en tailleur, j'ai la jambe droite par-dessus, soit comme ça, vous voyez, je croise la cheville, je laisse dépasser la malléole, ça c'est une bûche. Soit si vous arrivez, attends, je vais bien, voilà. Si vous arrivez, vous croisez les genoux, comme ça. Voilà, trouvez ce qui vous va. Alors, moi ça passe, hein, mais bon, vous savez que moi, je vous cache des choses. Allez, redressez-vous. Est-ce que ça tire déjà dans la fesse de la jambe dessous? Essayez d'avancer un petit peu. Donc vous repoussez bien le sol sans arrondir le dos. Vous prolongez les expirations. Inspire, grandis et souffle vers en avant. Les pieds sont actifs. J'enfonce les pieds dans le sol. Je pousse les genoux dans le sol. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, attrapez le genou. Ouvrez la poitrine. Inspire, grandis. Et souffle, va plus loin, tirant avec les bras. On essaie de grandir la taille des deux côtés. Donc la taille la plus difficile à grandir, c'est celle de la jambe qui est par-dessus là, vous voyez? Celle-là, donc on la grandit quand même. Est-ce que vous arrivez à tourner la tête? Allez, on fait l'autre côté. Relâchez un petit peu vos genoux. Alors vous savez que si vous avez mal au genou, vous pouvez vous étirer toujours sur le dos comme ça. Voilà, c'est mieux. Allez. Tailleur, jambe gauche, bûche, comme si on mangeait des bûches. Ou bien vous croisez les genoux. Avec les talons, vers les fesses. Voilà. Allez, redressez-vous. Pieds flex, enfoncez les chevilles et les genoux vers le sol. Ça, c'est la contraction qui va étirer toute l'enveloppe musculaire. Allez, vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous avancez le nombril. Soit vous repoussez le sol à l'arrière, soit vous attrapez le genou ici. Ouvrez la poitrine, grandissez, soufflez, vous allez un peu plus en avant. Gardez les genoux qui poussent vers le sol et les pieds qui s'enfoncent dans le sol. Et merci ce matin pour ceux qui étaient là, pour votre patience pendant la captation pour M6 en même temps. Et désolé parce que je ne pouvais pas dire quoi que ce soit, ni répondre aux messages, ni dire toutes mes bêtises habituelles. Ça va? Ok. Alors vous vous couchez, mettez le coussin derrière la tête, de nouveau vous prenez la serviette. Donc là, vous avez tout le dos qui est au sol pour sécuriser le dos. Voilà, vous équilibrez le bassin, vous tendez une jambe. Vous attrapez la base des orteils. Voilà, la même longueur des deux côtés. Voilà, vous laissez à peine dépasser par les auriculaires. Placez les épaules en arrière, les épaules basses. Alors, ramenez tous les orteils vers vous. La jambe est solide, donc contractez la cuisse pour remonter la rotule. Alors, vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous tirez. Sans soulever la fesse. La fesse reste plantée.
Ce qui bouge, c'est la jambe. Ce qui ne bouge pas, c'est la fesse. Il n'y a pas d'étirement s'il y a deux points fuyants, hein, les enfants. Essayez pour le moment simplement d'aller au bout d'expiration. Ah. Sentez l'étirement sur le mollet aussi. Allez, relâchez. Et vous faites de l'autre côté. À la base des orteils. Relâchez les épaules, mettez les épaules là en bas. Attention à l'autre genou, hein, vous gardez le genou vers le plafond. Ramenez tous les orteils vers vous. Remontez la rotule par la contraction de la cuisse. Pas de genou passif, les épaules basses et en arrière. Plantez la fesse, les deux fesses au même niveau. J'inspire, je grandis et je souffle, je tire. Faites-le 5 fois. Toutes les tensions à l'arrière. On étire toute la peau névrose arrière. Du sommet du crâne. Aux pieds. Génial! Alors les enfants, relâchez un petit peu le bas du dos. Faites des cercles comme ça avec les genoux. Dans les deux sens. Ramassez-vous un petit peu. Le bas du dos. On peut avoir aussi envie de masser un petit peu le sacrum là. Ouais. Ok. Alors, on va étirer les adducteurs. Donc vous attrapez. Je ne vous mets pas face à vous parce que franchement je suis très courvêtu aujourd'hui. Hein. Vous allez attraper ça. Voilà. Ramenez l'autre genou. Vous allez ouvrir le genou. Vous allez vraiment appuyer sur le genou. Beaucoup parce que cette jambe là est tendue et cette jambe là est pliée. Donc elle pèse plus lourd tendue que pliée. Et puis après, vous ouvrez. Voilà, donc ne laissez pas décoller, appuyez plus là-dessus. Alors non seulement vous ouvrez, mais vous essayez de ramener les jambes vers vous, pieds flex. Poussez loin sur le talon. Équilibrez le bassin, faites vos 5 respirations. Et vous mettez l'emphase sur l'expiration. Que Madame Coco est parmi nous. La personne parle. La grande Coco du Bolchoï, de l'autre côté. Pauline. Ouais. Ça passe trop vite tes cours, il dit. Pauline, on va croire que je te paie. Hein. Allez, on appuie sur la jambe pliée, on remonte les jambes vers soi, on engage le centre, donc périnée, abdos. On inspire, on grandit la tête et on souffle, on étire davantage. On pousse vers le sol et on remonte les jambes. Est-ce que vous sentez quelque chose? Il faut que je dise des choses, vous savez. C'est le moment de faire le selfie, hein, je crois. Allez, vous relâchez. Refaites-moi des... Vous roulez sur les côtés comme ça. Massez votre dos. Accompagnez avec la tête. Ok. Vous allez déplier les jambes sur le côté. Tenue abdominale. Vous dépliez la jambe du haut. Vous l'attrapez avec la serviette. Vous tirez la jambe vers vous, mais vous poussez la fesse en arrière. Sentez l'étirement à l'extérieur.
Je regarde à l'opposé. Si je suis à l'aise, je tends l'autre jambe. Toujours un peu vers l'avant. Grandissez par les talons. Grandissez par le sommet du crâne. Allez, faites l'autre côté. Je déplie la jambe du haut, j'attrape avec la serviette. Votre bras un peu en croix. Baissez bien l'épaule. Poussez la fesse en arrière. Ramenez la jambe vers vous. Et si vous êtes à l'aise, vous tendez l'autre jambe vers le bas. On grandit du talon jusqu'au sommet du crâne. Poussez loin sur le talon, tirez loin sur les doigts. Allez, relâchez. Vous roulez sur le côté. On se retrouve en fente. Pour étirer le psoas. Les jambes sont deux lignes différentes, avancez bien le pied. Pied flex. Les deux fesses au même niveau. Allez. Descendez vers l'avant et redressez le buste. Appuyez bien le pied à l'arrière. Vous allez essayer de tourner un petit peu vers la jambe arrière. Ça tire plus à l'entrejambe. Et un petit peu vers la jambe avant. Et ça tire plus à l'extérieur. Et l'autre côté. Appuyez bien les pieds. Soutenez bien à partir du centre. Alignez abdos. Tournez vers la jambe avant. Vers la jambe arrière. Et la jambe avant maintenant. Vous étirez sur les côtés. Parallèle. Alors pliez la jambe du côté droit. Comme ça, il y a moins de compression sur ce côté. Montez l'autre bras et vous étirez sur le côté. Enfoncez le talon dans le sol. À gauche, tirez loin la main gauche vers la droite. De l'autre côté. Je plie à gauche. J'enfonce le talon à droite. Tire loin. Refaites les deux côtés. Je mets du côté plié. Pensez à bien décambrer. Ça tire sur le côté, ça tire aussi devant, vous sentez? Allez, dernier côté. Plie. Et va vers la jambe pliée. Super. Descendez du... alors moi je peux le faire sur le tapis, mais descendez du tapis. Pour ne pas avoir le tapis épais sous les pieds. Voilà, tirez loin sur les doigts, les bras un peu en avant, pliez les jambes, genoux vers l'avant, appuyez les talons, tendez les jambes, vous contractez les cuisses, basculez le bassin, vous regardez sous le niveau des yeux pour ne pas partir en arrière et vous montez sur la pointe des pieds. Allez, une dernière fois, pliez les jambes, genoux vers l'avant, appuyez les talons, pressez dans les talons, basculez le bassin, soufflez, rentrez le menton, inspirez, vous montez. Gardez la tête dans les nuages, mais redescendez sur terre. Continuez à repousser le sol, à basculer le bassin, à tirer sur les doigts, mais relâchez un peu les bras. Voyez cette posture-là. Il y a autant d'étirements devant que derrière. Regardez-moi de profil. Voyez, j'ai aligné les talons, les genoux, les fesses, les épaules et la tête. Il n'y a plus de tension. Voilà, c'est à ça qu'a servi le cours. Je vous embrasse. Je vous fais un gros câlin. Merci d'être là. J'attends vos petits messages, des photos si vous voulez. Bien partager. Et puis ce soir, on se retrouve à 18h30. Je vous rappelle que les cours, c'est tous les jours. Tant qu'on sera en confinement, je serai là pour vous. Au revoir. Merci Mila. Merci à tous. Ciao.